et la Tibonite. Le coup désir, moi-même, moi t'attendais avec un pile intérêt, intervention chaque et sous panel là. Naturellement, en ce qui a trait à la question de force multinationale là, et les Nations Unies, et suite à la résolution, je te prends, pour être capable de doter Haïti de force multinationale, et de façon à ce que nous régler questions, problèmes qui gagnent à voir question de sécurité. Naturellement, nous connaissons que ce n'est pas la première fois que force internationale a voué mission en Haïti. Nous comprenons l'enjeu, mais tout, faut que nous comprenions là où c'est où fait partie d'un village. Elle dit le monde son village. Je ne veux dire là, Haïti, signataire de plusieurs accords, et traités, conventions. Donc ça veut dire que je ne veux dire là, et si où, il est dit dans certains accords, dans certains traités, que depuis le pays est ingouvernable, le pays a des problèmes, et les Nations Unies sont capables de réunir à travers une résolution pour capable protéger avec le pays. Mais nous, on est là, qu'est-ce qu'il dit? Journée aujourd'hui, là, eh bien, nous faisons face à une situation tête chargée et 85% du territoire national est occupé par les gangs. Maintenant, il y a un gars qui dit la ministre était là en 2004, la ministre était là en 1994, mais on ne peut pas comprendre et aujourd'hui, là, c'est même Haïtien ça, qui sous territoire, qui a frappé l'estomac, qui a dit nous sommes libres et indépendants, qui a chiré. Cap chire yon a klot, cap déchire yon a klot, pour que ce qui ça, pouvoir. Ce qui est à la base de tout ce problème dans le pays, c'est la politique et l'économie, nous vous dire. Et, vous avez regardé pour vous, la majorité de ceux qui sont là, vous avez si vous retracé des mondes du secteur privé des affaires, vous avez retracé des mondes politiques. Donc ça veut dire que politique avec économie en d'un pays, c'est-à-dire le secteur privé des affaires, l'économie, c'est-à-dire les maîtres de l'économie en Haïti, c'est eux-mêmes qui mettent insécurité à la politique, ça veut dire que des hommes politiques, c'est eux-mêmes qui mettent insécurité à. Donc, si nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas organiser nous, donc où il y a là, il revient aux Nations Unies de prendre des dispositions, de prendre des résolutions en ce sens. Maintenant qu'il y a là, nous pouvons aller directement avec chaque fois gagner une force qu'il a, ou toujours joindre des politiciens véreux qui a organisé la manifestation, faut que le ministre aille, faut que le ministre aille. Naturellement, nous pas contre que certains membres de la ministre de commettent des exactions en d'un pays, certes. Mais, d'une certaine façon, je me rappelle avec Marion Dessol, qui a gagné et appui de la force multinationale et côté en pile opération qu'on a fait, moi-même, nous avons impliqué directement dans l'opération, côté nous avons accompagné et la police nationale, pour mener des opérations contre des gangs. Donc ça veut dire que, et c'est même politicien ça, qui a couru des forces multinationales parce que y a besoin de mettre l'orbeille en d'un pays. Je me rappelle bien, y a couru des forces multinationales pendant que c'est eux-mêmes qui ont fait force sur Bini. Y a couru des forces multinationales et puis on est là, y a entré dans le quartier populaire, y a armé gang. Qui est-ce qui a armé gang? Même les qui ont couru des forces multinationales. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est le problème là, ou bien c'est nous le problème là, quelquefois. Donc, je dis à là, nous gardons pour nous, de ne pas parler de l'estomac, on dit les nationalistes, pendant ce temps, ils ont un agenda caché. L'on n'est pas arrêté, par exemple, nous prenons le cas de ancien sénateur élu de la Grand'Anse, ancien commissaire de police, Guy Philippe, qui est formé en Équateur, qui est formé international, qui est formé. Qui va fonctionner international. Je dis à lui écrit une lettre avec ses avocats, l'appui de ses avocats. Côté M. Douaké, lui écrit une lettre là-bas, la Cour suprême. Pendant ce temps, la Cour suprême lui écrit une lettre là. Déjà, il y a des problèmes au niveau de ce pays. Côté certains partis politiques de l'opposition, ils n'ont pas voulu pour que Fosta vienne protéger avec Haïti. Pendant que Haïti fait même partie village ça, l'ONU. Qui besoin pour que une force multinationale pour venir aider la police nationale là. Nous pas bay tête nous mentir. La police nationale capable de travailler, capable de faire ce travail qu'il faut. Mais nous d'accord, faut que nous d'accord que il y a une faiblesse au sein de l'institution policière. OK? À côté de corruption, à côté de bavardage qu'a fait en dans institution policière, mais faut que nous d'accord. OK, faut que nous d'accord que il y a des faiblesses enragées. Maintenant, il y a besoin de support sur le plan tactique et stratégique
de la part de certaines polices à travers le monde pour capable aider à organiser des opérations. D'ailleurs, son police qui gagnait à 70% corrompu là-dedans. Donc c'est ça qui fait que Léon y veut dans certains commissariats, l'on parle avec certains policiers, yo dit mon cher, gédé moun là qui pas corrompu, gédé moun là qui capable de diriger tête police là. Des moun qui habitué par résultat dans la question anti-gang. Est-ce qu'on est Louko Désir pour nous retourner avec le dossier Force Multinationale et la lettre de Guy Philippe? Est-ce qu'on connaît, quand on a imaginé ça, il y a des policiers là qui disent que eux-mêmes ils regrettent que Fantôme 69 te couru derrière Rameau. Ils passent parce que ils disent que Rameau c'est un monde qui a un résultat dans le niveau anti-gang, dans le niveau monde qui peut arrêter vite l'homme. Est-ce qu'on référence? Maintenant, on est là, il y a des policiers qui disent bon dernier côté, on doit que Rameau, si Rameau dans cette police là, au moins il est capable d'avoir un résultat qu'il faut. Parce que il n'y a pas de bal temps. Monsieur Fantôme 69, il n'y a pas de bal temps. Ça, c'est certains dire, ça c'est les dires de certains policiers, de certains commissariats. Il y aurait allé l'autre monde encore, il y aurait les Jacadère, il y aurait allé Vladimir Parison, il y aurait allé Michel-Ange Deyon, il y aurait allé Joël Casséus, il y aurait allé divers policiers et divers inspecteurs généraux et commissaires divisionnaires qui ont même dans le temps et bail quelques résultats. Donc ça veut dire que je dis à là. Bon bataille qu'a fait au sein de même de l'institution policière pour occuper la fonction de directeur général de la police nationale. Donc, la position de Guy Philippe, ces derniers temps, Livin coïncidé avec même déclaration de fait sous question by monsieur yo, monsieur Vivant Samuel, by yo, monsieur Gagnon, by yo, immunité, by yo, amnistie. Donc, est-ce qu'on connaît Louko Désir? Dans le moment où on parle là, sous fond micro-trottoir, on a vu une majorité de monde en d'un pays contre la déclaration de Guy Philippe sous question monsieur Amnesty. Comment? Non, ça c'est clair. Poussé. Ça c'est clair. Majorité de monde, chaque fois qu'on a des grands avions, un hélicoptère en l'air, quand on a dit qu'il y a des gangs, il y a des bravo. La population est contente? Oh, Louko, moi je capte. L'on passe sur le aéroport, l'on passe et dans la zone tabac, où tu as des gros hélicoptères. Regardez, la population qui a pris un rang pour regarder, est-ce que c'est gagné ou attaqué? Parce que 85% du territoire, Mounio, dans la prison la caillou. Ça veut dire que, je dis à la Mounio, senti énervé. Moi-même, sous plusieurs groupes, nous connaissons. Sous le parler Mounio, à partir de lettre et Guy Philippe écrit, je dis Guy Philippe, tu commences à dire que c'est parti population. Mais à partir de là, amnistie avec dernière lettre, ça quoi, même je vois tout et tête net. Bon, qui m'a dit. Libère-dure. Bon, qui m'a dit conseil Guy Philippe pour ça, Louko Désir. Qui m'a dit pour prêtre dans Louko Désir. Ouais. Est-ce qu'on a pour vous, dans l'émission de droit que. Et bien, l'élection fait Jodi à la Guy Philippe a bien l'élection. Est-ce qu'on a pour vous? Je vous en prie. C'est de ces parties, mon noté, partagé à lui-même. D'ailleurs, moi, je connais comme ex-politique. Ou connais position. Position par moi-même. Je n'ai pas de problème avec Guy Philippe. Ok? Comme un monde qui a discours. Maintenant, on est là. Le monsieur vient avec amnistia. Ah non, là, il y a un problème. Le monsieur vient avec bagage. Let ça. Monsieur tue tête linette. Parce que je dis à là, en pile monde dans la population, sans hypocrisie aucune, en pile monde dans la population, souhaitait à ce que gagne la police nationale joigne appui, support, soutien, apport de l'international sur le plan policier. Sur le plan policier, devant ce que un groupe policier international qui est bien formé tactiquement, venez des policiers nationales là, régler question, gagnant, désenclavé, tout espace qui est bloqué, bandits qui kidnappé moun, population bouquée. Donc ça veut dire, l'homme campé, ou écrit, coup suprême, et pour pas force la vie, appuyer la police nationale, c'est comme si vous dit, ou en face la police nationale. Donc je tiens là, l'opinion pas favorable à Guy Philippe par rapport avec dernière déclaration sur l'amnistie et dernière prise de position à savoir pour que Kenya refuse, pour Kenya et pas voler et une force multinationale pour appuyer la police nationale, nous connaissons. Merci un peu. Je vais faire et aucune considération juridico-politique par rapport avec demande et Guy Philippe là qui tant nous dit là monsieur qui juste et normal et m'a plutôt fait une approche constitutionnelle. La constitution haïtienne dans article 8.1 li
li di ke teritwa peyi d'Haïti a inviolable et ne peut être aliéné ni en tout ni en partie par aucun traité ni convention. Donc tenir compte de cet article dans la constitution, me penser que moi crois que demande Guy Philippe là comme citoyen il est juste. Alors comme citoyen. Oui, il est juste. Et mettez sous ça tout messieurs. Depuis les années 90, Haïti connaît au moins n'importe 25, 26 près d'une trentaine. Faut me ta font petit repasser pour me ta de 90 à date mission internationale. Quel que soit nom balé, surtout mission onusienne. Ouais. Et gagné qui civil, gagné militaire. Yeah. Si nous avons tenu compte de mission militaire Haïti passé, monsieur, toutes âmes qui sous territoire là, t'as supposé nommer la police acclamée. Pas t'as supposé des âmes qui nommer civil. Tout ceci c'est pour me dire nous, même si vous t'apprenez Kenya, même si vous t'apprenez la plus grande armée du monde, ou déployez en Haïti pour question sécurité, ya, depuis. Gain fournisseur en Haïti a toujours gain sécurité. Monsieur, insécurité a c'est pas garder dans dernier pour moi-même dans dernier aspect ou dernier volet. Qui ça moi le dernier aspect dernier volet? C'est pas garder il appli comme chef gang non. Non. C'est pas garder Iso comme chef gang non, c'est pas garder l'homme sans jeu comme chef gang non, mais c'est garder qui est tout qui classe politique là. Qui c'est dans le secteur privé des affaires là qui a fourni aux âmes. Ça très important. Mais papa oublier Philippe Ido, Esaü. Et on a fait bon le connaître. Bonjour Galette, bonjour Serge Jean-Louis, député sérieux et nèg et m'ta fini et pour me finir avec réflexion dans le coup. Très bien. De dire que tu mettes pour quel que soit, en fait, même si tu as pris la plus grande armée au monde où vient avec en Haïti là, ou ap démantelé 5 secondes, ou ap démantelé 400 Marozo, ou ap démantelé Taliban, et qui est encore, ou ap démantelé Neg et Savien, ou ap démantelé Koukouat sans race, mais depuis que fournisseur, gang n'a pris les vents. Comment mettre quoi ça? Là, je suis entièrement d'accord d'ailleurs, c'est réflexion, et pas nous ici, hein. Dans l'émission, pour nous franchir après ça. Donc, ok. Et député Pemantin, tu as tout à prévenir dans quelques minutes. Et puis, avant d'entrer dans le débat, et vous connaissez que Matin Débat, toujours ouvrir une parenthèse sur ce qui a passé à travers le monde. Yeah. Mais avant que nous là, je dis tout le monde que. Des informations qui ont vu là, que tu as un petit complot, puis tu as attaqué le Codésir. En fait, puis tu as. Éliminer, exécuter le Codésir. Bon. Moi-même, je pense que ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas nouveau parce que je fais presque nous voyons, 7 ans là, ici, à l'émission Matin Débat. C'est 7 ans de menaces. C'est 7 ans côté que nous avons menaces de tous côtés. Ok? Pendant 7 ans, je suis mort pendant plusieurs fois. Et malheureusement, donc encore, menaces toujours là. Et information vient de nous que tu as gagné un complot et que tu as même gagné un cop qui t'a commencé à bailler okay, pour être capable d'éliminer le cop. Je me chance de poser une question à l'informateur. Je me demande qui raison, qui problème n'est-ce que tu as gagné le cop. Il répond clairement que tu as peur le cop désir. Bon, ben pour raison, on est avec toi, pour raison, on est avec toi. Donc, tu as peur le cop désir. Bon, en tout cas. Les menaces sont là et les menaces sont toujours là et nous-mêmes, nous continuons à faire travail par nous avec toute intégrité nous. Nous avons toujours fait travail par nous avec toute objectivité nous. Ok? Et c'est ça qui participe à notre force maintenant débat. On a lu Donald Trump, Hunter Biden, c'est deux Américains que les États-Unis ou du moins le monde, jeudi à député Saint-Jean-Louis Gagné, projecteur braqué sur eux. Ainsi que le président Joe Biden. Donald Trump, définitivement, c'est le candidat pour le Parti républicain pour les prochaines élections en novembre aux États-Unis, madame, monsieur. Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden. Donald Trump, reconnu coupable sur 34 chefs d'accusation, 34 ou 37 chefs d'accusation,
Il suppose dans le tribunal très bientôt pour être capable de faire la sentence. Li. Et il est candidat donc, à la présidence pour le parti républicain. Et il reconnaît les coupables dans tous 34 chefs d'accusation. Hunter Biden lui-même, il a un dossier de détention d'armes illégales sous dol. Je dis à lui devant la justice et très bientôt il va parler devant la justice. Puis le cas qu'on est sentencé. Là, le président américain Joe Biden est en fait embarrassé. Le monde entier a regardé les États-Unis parce que là, on a parlé de pays qui, soi-disant, a vendu comme le père de la démocratie. Qui sont pensés qu'arriver là, donc, député Saint-Germain. Alors, alors, le débat est ouvert oui, avant d'entrer dans la question avec son panel là. Mais, il faut me dire honnêtement. Avant de rappeler, on dit Depé, bonjour. Depé, oui. Bonjour. Comme tu salues la distance. Bonjour. Je salue le collègue Magra. Je dis à ce jeudi. Monsieur, des mauvais bouches. Faut-il tout bailler pour le blague. Oui, oui, tout fait pour le blague. Pour nous garder entre nous tout la gueule. Oui, parce que nous ne pouvons pas accepter ça, non? Et on va pas accepter matin débat sans proverbe là. Ce proverbe là, même proverbe là, proverbe là c'est pas qui guide nous. Bon. Bon, et ben 18 proverbe 18 verset 4. Parole monde qui vient comprendre fond coule la mer. Parole monde qui vient comprendre fond coule la mer. Fruit ta cou yon source cap couler tout temps. Ça c'est parole monde qui vient comprendre. C'est proverbe 18 verset 4. Parole moun ki gen comprend font kou la mer fré tant kou yon sous kap koule tout temps. Bon. Et si moun le comprend, y a comprend, cherche comprend. OK, là allez. Oui. Bon, et nous les 11h33 donc et n'a pas entré dans débat là, dans tripotage là, dans pile parole yo. Et États-Unis oui, mais le monde entier et élection États-Unis c'est le monde entier qui a intérêt là-dedans. Mais élection ça a gagné en importance et particulière puisque bon paquet d'accusations. C'est pas tout le temps ou bien c'est pas facile ou conjoint président aux États-Unis mêlé dans pile bagaille, dans toute bagaille ça yo. Et que bon côté Trump, que côté Biden, et gain problème. Et donc, son élection pour le faire sous problème, très bien. Mais, vote, c'est résultat. Parce que, de toute façon, c'est jugement, c'est population pour le faire avec vote, et puis, cap baille. Dans les deux cas, d'abord, est-ce que Donald Trump est capable toujours et participer aux élections comme candidat? Et s'il n'a pas essayé de garder et on monte avec Serge Brutus. Nous capable de parler avec lui. OK. Oui, nous capable parler avec Philippe Brutus comme ancien parlementaire et avocat de longue date et ancien parlementaire. Et puis Joe Biden lui-même beaucoup de balles. Il pas carré intervenu sur dossier petit là. C'est on a les messages de Jean-Louis. Comme moi te saluer. C'est la justice américaine. Oui, c'est clair. Moi te saluer collègue. Bien matin déjà sur question ça. Pourquoi ça belle là bas ça galette. Pourquoi ça belle là bas ça. C'est parce que aux États-Unis d'Amérique gagne l'État. Aux États-Unis d'Amérique gagne la démocratie. Elle est fonctionnelle. Très bien. Institution a marché. Par contre si ça arrivait déjà. Mais c'est pour la première fois, moi-même, à ma connaissance, moi, on a un monde qui finit président aux États-Unis et qui prend le candidat pour les prochaines élections américaines, qui est invité à venir devant un juge, qui est présent devant le juge là, après interrogatoire, il dit monsieur. Il a inculpé lui, il y a plusieurs chefs d'accusation qui retenu contre lui et lui a accepté le cocktail. Un, deux, Joe Biden, c'est le président actuel. Correct. Et un président en tant que tel, son fils, Hunter Biden, mêlé, non, affaire. Zam illégal. Ouais.
là devant tribunal comme le fils du président juge là interrogé comprendre et puis il a décidé balle sanction qu'elle méritait et que le président des États-Unis ne pouvait pas intervenir pour empêcher décision ça veut dire mes amis la démocratie elle est belle comprends belle bagaille liée ouais mais ça vous nous dénoncez nous quoi la communauté internationale la communauté américaine a utilisé deux poids deux mesures il a défendu la démocratie la caillou et puis ici là il a pas encouragé la pour qui ça me dit ça. Il fait 13 ans avec PHTK. Mais pas seulement en Haïti. Oui. Alors, côté à travers à travers le monde. À travers le monde. Oui, capable, non, parce qu'il a souffert de ça. Oui, très bien. Il a supporté la dictature pour pas qu'être côté dans le monde, notamment en Haïti. Il fait 13 ans à supporter PHTK au pouvoir qui crasait toute institution. Même élection pour caser qui va organiser. Très bien. Très bien. Quand il y a les bails, ça arrive. Pas mettre dans condition des monde qui maîtrise les relations internationales particulièrement qui ont loi américaine très bien comme observateur mon cap fait politique moi suivre à distance très bien mais ça me garder malgré 34 chefs d'accusation qui tombent sur Donald Trump ça pas enlevé l'éligibilité monsieur pour comme candidat au prochain parce que c'est qu'on y a monsieur de Rabi Kambali. Eh ben c'est ça pour nous là. C'est tout ça. C'est ça pour nous. Maintenant la question parce que l'Igbo pas être encore devant juge si la salle il parle contre une sentence. Oui. Maintenant on dit que juge là sont bon il est clair on si reconnaître que le coupable sous chef d'accusation ça yo. Écoutez, il pas évident que il pas parler ballon sentence, il pas sentence. OK. Elle dit que il parle contre sentence quand même. OK. Et c'est là le débat. Et c'est ça que le débat. C'est pas là. Mais nous, moi-même, je prends précaution. Galette, bien matin, je prends précaution. Les moi pas gain autorité professionnelle dans le domaine pour ne pas entrer là-dedans. Trop, pour ne pas pêcher. Mais je regarde à distance ça qui passe aux États-Unis. Et un débat sous cadre de mon salle d'abord. Oui. Ça qui passe aux États-Unis. Mais je regarde la posture de. De Joe Biden dans tout. Moi garder discours l'a développé. Correct. Dans milieu américain, moi penser que si éventuellement malgré le chef d'accusation des sanctions écrites, il n'est pas empêché là le candidat, son candidat cap créer un pile problème aux États-Unis. Alors et qu'on grand bagarre me devait dire et Talio Soudi et député Saint-Jean-Louis aux États-Unis c'est la démocratie oui mais moi envie en force sortir pour me dire aux États-Unis c'est l'application stricte de la loi. Très clair, la démocratie repose sur les règles, sur les lois. Et on prend pour référence une action que m'était vive, c'était en janvier 2021 au lendemain de l'élection de Joe Biden et ça et lorsque des gars évasion au niveau de Capitole là. Monsieur, si nous avons fait un petit parallèle, où est-ce que tu es passé après où est toute poursuite qui fait contre Donald Trump, surtout impliqué et qui en pile mon accusé ou bien impliqué dans ça. Ouais, si c'est en Haïti, un président qui t'a sorti, qui a le pouvoir et puis sous l'autre administration qui vient succéder, il y a poursuivi la justice, on ça t'a dit persécution politique. Persécution politique, très bien. Et où t'as pour tout ses partisans à chaque côté le bralé il t'a pralé pour bon son doit au gain pour accompagner un leader ouais samedi là mais il pas t'a pralé accompagner dans la paix ouais samedi là il t'a quand même empêché moi même monsieur pas songer dans quelle année mais à l'époque c'était Luc Mandelil qui était commissaire gouvernement vous connaissez me dans parlement le gouvernement Martelly oui sous me dans parlement à la fois en 2013 si m'attend. Oui, non, époque ça. De à la fois dans le parlement et par les justices pour signal parce que vous connaissez tout de sous bicentenaire. Monsieur, même la presse militant empêché entrer dans espace parquet oui. Les ça ont invitation bon bien que invitation gain ça été en compétence en territorial là dans le droit. Pas problème ensemble avec ça.
mais c'est pas ça, c'est pas là, c'est pas une question de compétence ou pas, c'est yo autorité judiciaire qui a besoin de. Maintenant c'est avocat. Nous ça arrive soit bien arrivé au Brésil avec Bolsonaro avec voilà. Oui, mais par contre Louko, la justice t'endel quand même. L'étendel quand même. C'est samedi là, militant envahit tout espace parquet là. Maintenant exception ça, c'était avocat Aristide qui voulait soulever devant commissaire. On connaît pour qui ça militant envahit paquet parce que pas connait la justice ça. Mon cher, d'accord, ensemble avec vous. Ouais, ça n'a fait là, on fait un débat, c'est intéressant. Bon verset dans la Bible. Peut-être bien matin quand ça. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Ça arrive en France aussi. Avec le président Sarkozy. Sarkozy, oui. Qui, après M. Fin, président en France, ça arrivait aussi après Jacques Chirac. Jacques Chirac, ouais. Qui, après avoir passé 15 ans maire de Paris, M. fait 13 ans. Mais c'est Mitterrand qui fait 14 ans, M. fait 13 ans lui-même. 7-6, président de la France. Et la justice française interpelle M. Monsieur Vini présenté devant le tribunal là. Il a sanctionné monsieur, mais comme l'âge, bah, ça pour le respect de la présidence, il a été empêché pas de mettre monsieur en prison, comme on dit, on regarde la ville à Caillou. Donc, ça qui est important, Galette, qui pour garder bagaille ça, vous avez intérêt à lutter, Louko, pour qu'il y ait la démocratie en Haïti. En Haïti. C'est ça la responsabilité, ça, on pour faire. Et depuis très jeune, nous même avons fait. Vous ne comprenez pas? Donc, à partir de ce moment, exemple, ça va passer qu'on y a, mais on ne peut pas faire la démocratie sans les démocrates. Maintenant, côté démocratie. Ah, c'est ça la question. C'est côté démocratie. On ne peut pas faire démocratie avec les gens qui ne croient pas en règle démocratique. Vous comprenez? Là, ça fait entrer dans la culture, dans l'éducation, dans l'école, dans l'église, dans le foyer, dans le péristyle. Parce que son bel bagaille lié. Comment on est quoi Donald Trump, fin président, dans dimanche, monsieur, fin président, font un paquet de bagaille sous son soutien là, investiture pour le faire, un paquet de dispositions pour le bagaille. La justice dit, on va garder bagaille là comme ça. Dans le pays, ça, les pouvoirs sont réellement indépendants. Ce qui est garanti dans notre constitution, qui est prévu dans notre constitution, mais dans l'application. Parfait, on a parlé de l'application stricte de la loi. Parce que, et comme vous avez dit tout à l'heure, député, je suis d'accord ensemble avec vous, lorsque vous dites que militaires n'ont pas connu la justice haïtienne. Mais vous connaissez même acteurs des trois pouvoirs, ou même pas des acteurs dans le pouvoir judiciaire, des trois pouvoirs, notamment des pouvoirs politiques, qui fait que nous avons une défaillance judiciaire totale en Haïti. Bon, il y a un élément d'explication par rapport à samedi là. Et si vous regardez façon magistrat yo entrer dans la justice haïtienne, dans la magistrature haïtienne, par exemple la loi porte un statut de la magistrature en ses articles 18, 19, 20, 21 et 22, le dit clairement qu'il y a un monde capable d'intégrer la magistrature haïtienne, soit par intégration directe ou indirecte, mais pas bon ici, c'est bon intégration politique nèg yo fè, oui. Il pas ni direct, il pas ni, c'est intégration politique nèg yo fè, oui. Et ou joine magistrat ça le rivé li gon penchant pour moun ou bien pour parti politique ou bien pa konnen pour clan politique qui te fait l'intégrer. Des fois c'est pas compétence n'a pas gagné, non? Des fois c'est pas bon pour exemple pour moi même qui ton honte dans magistrature haïtienne là et juge Belizère. Amen, bien sûr. Non, ça c'est ton honte pour la magistrature haïtienne. Quel palpé tes chers. Il devant va déjà tes. Et c'est pas petit pouvoir, non? Le gain pouvoir pour juger, pour c'est seul Dieu qui gain pouvoir ça. Yeah. Pour juger monde, pour condamner monde. Qu'on y a galette, ça qu'on fait. C'est ça pour nous faire, ça pour nous faire. Louko. Et c'est engagement citoyen yo. Faut citoyen prendre des engagements. Législateur a prévoir la séparation des trois pouvoirs. Li dit clairement, pouvoir indépendant par rapport à l'autre, ce qu'on a vu que c'est dans d'autres pays, c'est même bagaille là au fait dans l'autre pays, soit pas vivre aux États-Unis là, c'est soit vivre parce que on président aussi président tant que Donald Trump multimillionnaire milliardaire, ah, milliardaire on dit ouais malgré capacité économique monsieur malgré monsieur son ancien président. Ça n'a pas enlevé, ça n'a pas mis sur autorité pour le bavine devant la justice. Pas que baille comme ça. Pas que baille comme ça. Donc,
États-Unis, tant que d'autres pays démocratiques, ouais. C'est règles démocratiques qui sont faites pour respecter, ouais. Notamment la question indépendance des trois pouvoirs. Ce n'est pas une affaire là, c'est intéressant. Ouais. Donc pour nous-mêmes, je m'absurde ce qui va passer aux États-Unis. Moi-même, m'intéresse. Pour lui, ça m'intéresse. Mais je connais. Moi, m'intéresse. Pour moi, au monde qui est Donald Trump. Alors, il a des intérêts, oui. Non, mm-hmm. Loi vivre aux États-Unis, républicain, démocrate, mais ça qui est important, moi, c'est la question haïtienne. Hein? Très bien. Question haïtienne. Mais comme les États-Unis d'Amérique, nous avons des millions, si vous voulez, de haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Donc, nous faites pour intéresser à ça qui a passé aux États-Unis. C'est ça, fait d'accord avec ça. Surtout dans le cadre de César. Surtout dans le cadre de César. Parce qu'on a fait TPS, on a fait Joe Biden, et puis lui-même Donald Trump lui-même, sur la question de l'immigration, avec ça, très sévère. Sur son roman de Zamdoula. Donc, nous avons intérêt pour nous suivre ça qui a passé. Sans nous pas entrer dans des détails internes qui ne pas maîtriser totalement. Donc, nous pensons qu'il y a des intérêts. Mais ça, pour nous dénoncer. Faut dénoncer. Correct. En tout cas, c'est la politique de voix de mesure. États-Unis, États-Unis, la défendre démocratie, la Cali, et puis la encourager. Question terroriste d'État. Donc c'est ça. Ok. Bon, et son dossier n'a pas suivi ici à de très près. Donc à l'émission Matin Débat, Madame Monsieur, vous connaissez que Matin Débat nous ouvert sur le monde. Donc nous toujours et ouvrons parenthèse sur ce qui a passé donc sur le plan international. N'a pas la Cali. Nous avons trois points sur ta blague. Deux, n'a traité ensemble. Un, n'a traité pour compter. Deux points à traiter ensemble, c'est Haïti politique, donc Haïti sécurité. L'ancien sénateur Guy Philippe s'est adressé à la Haute Cour de justice kenyane pour interdire le déploiement de la force multinationale en Haïti. Guy Philippe a-t-il les titres et qualités pour produire une telle demande d'un traité point avec le point qui dit Haïti politique, le cabinet ministériel enfin installé, quelles seront les premières actions de ce gouvernement? Bon. Première question, Loko. C'est une question qui fait. Moi, je pas aimé intervenir sur les de façon isolée parce que l'on a posé problème de sécurité. Nous sommes toujours posé l'ICA ou pas qu'à poser de façon isolée par rapport avec la nouvelle gouvernance et ou la gouvernance en l'autre qui est en bas. Là, je deux approches. Oui, moi-même, je pas aimé. C'est une question très sensible, au moins là, oui. C'est une question très sensible, Galette. Parce que moi-même, moi qu'on approche idéologique sous question ça depuis le début. Ouais, c'est pas seulement, je veux dire, depuis 1994, 2004, toujours les mêmes approches. Cependant, je dis, dans la situation, ça m'a expliqué. Positionnement, pendant les Ariel produit demande de force d'occupation étrangère, là. Vous comprenez? Qui t'a permettre de nous entrer dans la démarche. Juste une minute, je ne sais pas quoi Kalan a fait, non? Oui. Mais comme nous étions dans le sujet tout à l'heure, il y a un ancien député, maître Philippe Boutus, Sousa. Il est important, Pour très important. Il est beaucoup plus à l'aise. Oui, très important. Très important. Député Boutus, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous Bonjour Loko, bonjour Père Matin à tous, bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour me passer avec nous. Très bien, grâce à Dieu. Nous contentons de matin. Nous parlé de dossier et situation Donald Trump, également situation et Joe Biden avec Petit. En d'autres termes, la question des élections aux États-Unis. La question des élections aux États-Unis. Donc le dossier de la situation de Donald Trump, la situation de Hunter Biden qui s'est petit et Joe Biden. Maintenant, à qui ça nous attend nous? Bon, on nous a dit cette question de Donald Trump en premier. Il y a des gens qui ne comprennent pas que qui vient faire Donald Trump sont coupables de 34 chefs d'accusation, mais qu'il y a le président. Il y a le président parce que, par aucun ban de la Constitution, il n'est pas capable, à moins que le condamne de sédition ou de haute trahison contre la nation. Tout le crime qu'on a condamné aussi, c'est le cas de sa vie comme président. Maintenant, il y a un problème politique pour lui parce que, soit par exemple, c'est le pays étranger en tant que dignitaire, il y a du ah, n'est-ce pas son conducteur là. Maintenant, en ce qui a trait à Hunter Biden, bon, si c'est n'importe quoi de mortel qui te fait gagner, c'est pas la même chose. Yo challenge monsieur parce que monsieur petit Joe Biden. Ok. Ça, il fait libre à mentir. Le tâche ton revolver, il dit que le patron n'a pas de problème de drogue, on va faire comme ça. Son dérapage, mais pas une infraction là, puis il fait tout le bail. Ça va affecter l'élection. Ça va affecter l'élection.
c'est la droite dure qui campe ferme derrière Trump. Quand ça Trump fait la veille, parce que Trump dit ça, il va pas le dire, ça va pas dire ouvertement. C'est raciste, xénophobe, tout bagarre ça va pas dire Trump c'est champion. Mais problème Biden gagne tout, Jean te campe ferme derrière Israël pendant des mois et des mois, pendant mon a mouri. Base démocrate la vienne commencer diviser. Mon noir censé pas une tour dans ce collège avec lui. Palestiniens, Arabes, tout le monde sortit. Et même des juifs libéraux qui disent que même le n'a pas dit que Israël n'a pas le droit d'exister, mais l'hôpital a sauté si on a mouru. Minimum, il y a tellement de Biden, c'est pour le dire, bon, c'est pas, c'est le truc. Il va jamais faire ça, sur le perdu en pile la popularité. D'ailleurs, qu'on y a là, où est que la obligé d'essayer, font, voyons, on rame d'Olivier bas à la droite. Et si je ne pense pas à faire frontière, c'est un barrière qui allait directement à ça. Même quoi que, qui gros problème, d'après ça, d'appeler l'on revue, que Biden a gagné, c'est pour ne pas avoir perdu devant Donald Trump, non, là, parce que ça t'appelle d'appeler. Mais élection difficile pour Biden, mais nous-mêmes qui, plus ou moins informés, même le Corps républicain et le Corps démocrate, ça qui fait peur Donald Trump, c'est la droite dure, violente. Extrême, car pour que si M. le Président, il a fait toute bagarre, pas oublier, il a tué George Floyd sous Trump, on m'a la tuerie faite par la police sous Trump. Mais, having said that, élection très compliquée, moi-même, beaucoup de gens qui j'aime Biden. Est-ce que ça a empêché le candidat? Yes. Et le dossier que le gagne devant la justice, est-ce que ça a empêché que Donald Trump le candidat? Non, du tout, du tout. Même condamnation fait là à New York, là, les pas empêchés. Du tout, j'aime du seul acte, seul le que, ou pas qu'à présenter comme candidat, ou bien pas qu'à élu comme président des États-Unis, si vous avez une condamnation de sédition. Par exemple, le 6 janvier, le 6 janvier, après l'élection, hein, si il y a indexé M. Laden, M. Soti coupable, là, il n'est pas capable. Il n'est pas destitué comme président, parce que ça, c'est sédition contre, on t'a dit, en infrastructure de l'État, c'est un atteint direct à la démocratie américaine. Mm-hmm. Mais toute l'autre chose, c'était bagarre qui n'est pas empêché. Bien entendu, il n'est pas capable de voter. Parce que lorsque tu as un dossier criminel, par exemple, Florida, M. qui n'a pas capable de voter, Florida, c'est Florida l'habité. Il n'a pas capable de voter, Florida. Ils sont convictés de faire. Mais pas oublier pourquoi il y a un appel qui fait. Le second appel qui fait. Pendant ce temps, appel la fête, c'est décision jurée on hold. Ouais. So, jusqu'à ce qu'on coupe l'appel, peut-être à la rigueur, la Supreme Court, le State New York, jusqu'à ce que le Supreme Court des États-Unis m'a aimé, je suis still relativement safe parce que la décision va finale. Tant qu'on rit, on pas au coup d'appel. Pourquoi Maître Brutus. Oui. Et gon bagay m konnen ki ou gen problèm sou li an Haiti etan kòm ayisyen kesyon ou tande tel parti politik a bezwen tel ministèr pou tel moun ou pa avèk mwen pil ou di ou pa ka konprann bagay sa koman mesye dam an Haiti yo fè toujou aksepte bagay sa et koman konprann li mwen. Oui, son bagay ki bizar, ki drôle, ke m pa kopen li normal, pou premier ministre, di bon, ok, m ba tel moun mande ministre, a ki fin? Eske moun sa lo bal ministre, li pal nomme ministre la? Eske se li pal nomme personnel ministre la? Eske se li pal revoke embauché? Et c'est pas touché en bataille parce qu'on boit l'État. C'est bon bagage qui est au bar ou pour bail. Ou après moi, le plus grand, même qui est plus qualifié, ou bien le post-ministre. Bon, alors, on tourne les cas, fait ce bonhomme qui est dans la médecine, bon, on va entrer là. Mais, question de boîte ça, Patrick de Baïf, Maurice Jean-Charles, agriculture. Yo ben un tel, santé publique. Ça, c'est là. C'est bien l'État lié, pas bien nous. C'est bien l'État. Quand il y a la demande de l'État, personne ne parle, rien dit non. Même gars économique dit monsieur attention on fait réforme nous pas demander monsieur mais le cabinet souple, le cabinet sérieux qui pourrait aider pays à sortir de marasme que il y a pour demander pour le ministre et puis à qui fait et si pas nous ça va passer si gars économique monsieur on va passer magaï m'a ba nous d'ailleurs monsieur ça que c'est pété assez bon son bonne nègre pratiquement illégal et pas constitution que météo là et si me comprend bien gain pas des charges ce qui doit monsieur lui a demandé des ministères et Daikoni, tout me trouve que les font manque de maturité. Bon, je ne sais pas si maturité, parce que je suis très mature. Mais on ne peut pas accepter qu'on baille, on boite l'État parce que le modèle, parce que les forts politiquement. Et on égale l'école, yo, qui a un diplôme, qui fait tous les forts, il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de piston, mais on qualifie. Ça qui passe, c'est que ça, il n'y a pas de faveur.
Ça va un problème, pile. La nation doit camper pour dire non, il faut faire des pratiques. Bye, what ça, ça pas pour nous. C'est bien. C'est boîte l'état que oui. Merci en pile, maître Boutus, merci en pile. D'accord, pas de problème. C'est un plaisir, merci en pile. Voilà, donc c'était donc maître Philippe Boutus. Et sur la question américaine, comme on dit, la question dossier que nous avons suivi ici, donc à l'émission Matin Débat. Alors, ça pour nous comprendre, et c'est que jusqu'à présent, et Donald Trump peut-être fait. Oui, mais comme il dit que m'estime qu'il est important que nous retenir, situation électorale là aux États-Unis sont pas compliquées. Compliqué. Donc, nous avons un débat. Ok, nous avons retourné sur Haïti. L'ancien sénateur Guy Philippe s'est adressé à la Cour de justice. Et Kenyan pour interdire le déploiement de la force multinationale en Haïti. Guy Philippe a-t-il les titres et qualités pour produire une telle demande? N'a traité avec notre point qui dit Haïti politique, le cabinet ministériel enfin installé. Quelles seront les premières actions de ce nouveau gouvernement? Très bien. Alors moi-même, moi t'ai dit que moi pas pour arrêter sous Sita sous ça seulement. C'est l'initiative prise par un ancien sénateur de la République d'envoyer une correspondance à la plus haute cour de justice kenyenne pour demander son action individuelle, personnelle de un citoyen haïtien. Maintenant, moi-même, c'est plutôt une approche globale, puis matin, par rapport avec sécurité, insécurité, et approche sous question de force multinationale en général qui est liée à conception idéologique moi-même depuis 1994 2004 à aujourd'hui moi-même noté ça veut dire le Ariel Henry comme premier ministre bien entendu qui font carrière là en bas un désastre t'es fait des mains là noté une position clairement non exprimée par rapport à lui noté dit que non opposé à question ça parce que justement non pas croire fermement c'est une force étrangère qui a vite résoudre problème mais là non dit ça non dit ça pour faire le coup parce que c'est très bizarre non dit ça pour faire non dit faut gagner un mariage entre les forces de l'ordre prévues par la constitution de 1987 en tout cas qui sont composées de la PNH et des forces armées d'Haïti mais nous ajoutons l'autre bagarre là dans lui non dit fort associé le marié avec les forces populaires parce que les initiatives yo prend entre deux forces entre forces de l'audio yo bail résultat yo inspiré confiance au niveau de la population haïtienne fait même bar appui avec maintenant pour sa fête nous dit ça que pour gagner faut gagner nous d'accord avec le moyen logistique approprié à force de l'audio. Eh bien. Donc, tu dis, c'est là, nous d'accord sur ça, pas qu'un problème. La communauté internationale décide d'aider et peut pas ici résoudre le problème à travers force de l'audio. Force de l'audio, il y a des problèmes que force de l'audio gagne. Donc, nous te dit, c'est dans des machins, nous t'as arrivé pour permettre gagner. Le moyen logistique approprié, économique, financier, des bails comme ça, pour permettre d'aborder question. Et puis, il te dit, ou pas qu'à aborder problème de sécurité hein, de façon isolée par rapport à une nouvelle gouvernance. Ouais, ancienne gouvernance là, c'est mauvaise gouvernance, il est marié avec insécurité, il nourrit insécurité. Donc, qu'on y a pour poser problème, pour résoudre problème de sécurité, il faut qu'on nouvelle gouvernance, peut-être, puis demain, on va arriver là-dedans. Donc, moi-même, moi, pense que ça demande, sénateur Guy Philippe, là, son demande de 11 citoyens, dont ancien sénateur de la République, en fonction des lectures, la compréhension des lectures, déjà le comprendre ni. Donc, il fait demande. Moi-même, dans la compréhension par moi dit, mais ça pour faire, mais qui j'en pour le faire, tout en sachant que monsieur, dame, tout le monde capteur de là-haut, on a un problème de sécurité. C'est la dimension, comme c'est Mtakadou, la plus importante par rapport avec complexité de crise à lui-même. Nous qualifier de crise pluridimensionnelle, de crise complexe. Bien. Donc, même si pire devant, on va être très critique vis-à-vis du gouvernement nouvellement installé par rapport à la question. Donc, pour moi, c'est une initiative personnelle venant
des citoyens du pays qui estiment c'est comme ça lui-même qui a approché contre lui, lui positionner le comme tel. Parfait. Ou t'as réagi depuis? Oui, c'est allez, presque, allez. Presque même compréhension, Pam. Ok. Et Guy Philippe sont citoyens. D'ailleurs, qui ont un déficit. C'est vrai, l'Italie en élection. Pep Grandes là, élu lui. Il n'y a pas gagné à entrer pour le tal pour baptême dans le Parlement. Il était contrarié. Mais étant comme citoyen, étant comme membre d'un parti politique, je ne sais pas quoi j'aime renoncer à un parti politique. Il était sénateur. Il a fait lui. Il a fait là avec un groupe tout. N'importe quoi faire, mais. Donc, sur des marchés citoyens. Oui. Ouais, mais bon bagay. Li ka fè avec parti politique li pousse le plus loin mais gon bagay ki rive bagay Kenya ça monsieur qui s'allie écoutez est-ce que Guy Philippe tout pas profiter son tolalito son jouet li wè Kenya ki États-Unis a fait bon yo pa vle di États-Unis yo di Nations Unies bon OK de, parce que quand même gen différence entre États-Unis et Nations Unies bon écoutez Kenya a gonjouet la fait. Est-ce que Guy Philippe tout pas comprendre jouet là et puis tout entrer là-dedans? Parce que nous venons au moment nous-mêmes en Haïti nous pas quoi nous pas commenter, nous pas continuer faire commenter sur ben Kenya encore parce que Kenya a une propre stratégie pale d'ailleurs il est à bénéficier un gros bagaille. Ça le bénéficie qui ça? Mais choisir comme pays pour ta vie là, get a bal moyen pour Nations Unies considérer comme cool. Nations Unies. Cool. Pour moi-même, c'est déjà premier bagage qui a bénéficié. C'est déjà bénéficié. Ah oui, mais sous Haïti là. Sous Haïti là. Mais, on va ajouter, c'est même mon yo comprendre ça n'a pas développé là. Ça fait là, faut non pas innocenter américain ou là. Les Américains n'ont pas intervenu là. Quantité d'avion qui débarquait. Malheureusement, il y a une absence d'autorité dans le pays. Il n'y a pas informé l'opinion publique nationale. Qui ça y a porté? Ça y a eu. Qui ça y a eu? Questionnement. Qui utilité? Questionnement que nous devons faire ici. Ah ouais, ouais. Mais ça me l'a dit. Mais député. Ou pas qu'à gagner emploi ou pour emploi ou faire travail pour emploi écoutez oui, mais là on a mais non mais toutes les gens en Haïti c'est employé c'est vrai tandis que les gens qui parlent il y a des gens qui même traitent calé loin calé loin pas même il y a des gens qui disent ça avec mais nous connaissons ça me devait soulever là me devait soulever ça arrivé là son répétition de ça qui est arrivé en 1994 déjà yo créé situation en bas où yo fait 3 ans après un coup d'état à Goumen, bon embargo sous pays a, bon crise qui pas piti. Yo débarqué 19 septembre 1994. Yo fait ça aussi pendant tremblement de terre. C'est vrai. D'ailleurs, tu comptes en Goumen entre yo même également la France. En la France. Ouais. Yo fait ça pendant tremblement de terre, la France c'est l'autre pays à Goumen. En termes de en matière de droit humanitaire pour yon vin aider yon font bataille yon empêché la France de venir intervenir yon fait ça en 2004 songez bien yon débarqué avant en 2004 puisque des autres qui crient qu'on bouleverse manuel en bas la ville là gaz est brisé yon intervenu et puis après ça yon pas le faire jodi à ça yon fait pendant yon organisé force multinationale bagage ceci cela mini yo débarqué sur territoire, il a construit base, yo débarqué un paquet de matériel. Pas jamais des monde qui connaît ça. Pas jamais pour absence d'autorité. Ouais. C'est ça la ouais. Donc ça va me dire là, conclusion pas maintenant Louko sous tribune ça. Moi t'ai dénoncé l'agenda caché de la communauté internationale. Okay. Moi t'ai dénoncé Haïti prenant un complot qui a deux niveaux là-dedans. Il y a un niveau international là, il y a un niveau national là. C'est dans ça nous y est là. Okay. Puis devant m'bral développer, m'bral justifier élément l'agenda en cachette cap exécutif et point par point gain des points m'bral développer tout à l'heure puis devant. Donc okay, conclusion hein, ça qu'a réglé là, gon bagaille,
bon bagay que le gouvernement américain, les autorités américaines a réglé avec pays. Ça c'est clair, ça c'est malheureusement clair. Ça, c'est clair. Pas qu'il y a des interlocuteurs valables qui pour et on peut devoir discuter. OK,